Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le tirage au sort des trois chaises. Oui c'est vrai, il y en avait deux, mais j'ai mis la troisième en jeu pour vous récompenser. Alors le tirage au sort sera fait de suite après l'intro de la chaîne. Nous on se retrouve de suite après, comme je viens de dire. Je ferai le tirage au sort pour ces trois chaises gamers. Par la suite, sur la chaîne, de temps en temps, je ferai un tirage au sort pour gagner. Il faut regarder les vidéos assez souvent, il faut être abonné à la chaîne. Mais ça, je vous expliquerai tout ça en temps voulu. C'est parti, je vous envoie l'intro et on va faire le tirage au sort des trois chaises. Allez, c'est parti, on va faire le premier tirage au sort pour la première chaise. On va voir, bonne chance à tous. Et ben voilà, c'est Dan WS qui a gagné la première chaise. Moi, je vais le contacter pour lui envoyer cette première chaise. Alors maintenant, pour cette deuxième chaise, je vous souhaite à tous bonne chance. Et bien sûr, il y aura un petit supplément pour ceux qui n'auront pas gagné, mais il y aura un autre tirage au sort pour une troisième chaise. Allez, c'est parti, j'envoie le tirage au sort. Eh bien alors, bravo à Christophe Toff 3630. Il vient de gagner cette deuxième chaise. Félicitations à toi. Je vais te contacter via ton adresse mail et je te dirai les marches à suivre pour récupérer ta chaise. Voici le troisième et dernier tirage au sort pour cette troisième chaise gamer. Bien sûr, c'est trois chaises, on va dire, c'est pas des chaises gamer, mais c'est des chaises quand même de haut de gamme, m'ont été offertes par la société NOS, d'ailleurs, que je remercie. Et maintenant, j'envoie le tirage au sort. D'ailleurs, je parlerai d'eux à la fin de ce petit tirage au sort. Et ben voilà, félicitations à GamerZ qui vient de gagner la troisième chaise gamer. Félicitations à, aux trois gagnants. Je vais vous contacter via le mail. Et ben je vous remercie toutes et tous pour cette superbe giveaway. D'ailleurs, je voudrais remercier la société NOS qui m'a offert ces trois sièges quand même de haut de gamme. Ça m'a fait énormément plaisir. En espérant que l'année prochaine, il y aura plus de monde pour, bien sûr, le plus gros cadeau. Ça, je l'espère pour vous. Ça fait quand même le deuxième giveaway que je fais. Pas trop de monde, mais déjà, c'est très bien. Il y a plus de monde que la première fois. Je vous laisse avec les conclusions. Déjà, félicitations aux trois gagnants qui est Christophe, Dan WS et GamerZ. Encore un grand bravo à vous trois. Félicitations. D'ailleurs, je vous contacterai. N'ayez pas de mauvaise foi. Ça aurait pu tomber sur vous. C'est tombé sur ces trois personnes. Félicitations à eux. Peut-être que la prochaine fois, ça tombera sur vous. Il faut toujours jouer le jeu. Pensez que je suis une petite chaîne. Je ne peux pas faire d'énormes cadeaux comparativement à des grosses chaînes. Eux, ils ne font pas de sacrifice, que vous vous désabonnez ou pas, ils en ont rien à faire. Moi, ça compte énormément pour moi, le nombre d'abonnés. Plus j'aurai d'abonnés, plus je vous ferai des plus gros cadeaux, ça c'est sûr. Déjà, les trois cadeaux qui m'ont été offerts pour faire ce giveaway de fin d'année m'a été offert par la société NOS. D'ailleurs, vous pourrez marquer dans les commentaires un grand merci à cette société. Moi, je les en remercie fortement en espérant que, bien sûr, l'année prochaine, il y aura d'autres cadeaux, aussi bien de la société NOS que d'autres sociétés. Nous arrivons au terme de la vidéo. Je voudrais remercier d'ailleurs tout particulièrement la société NOS qui m'a offert ces trois chaises gamers pour ce giveaway de fin d'année. Je voudrais remercier aussi les abonnés de la chaîne. Vous savez ce qu'il faut faire. Il faut liker, commenter, partager les vidéos pour que la chaîne soit référencée au niveau de YouTube. Pour les nouveaux abonnés, faites comme les abonnés. Vous suivez le rythme. Il faut liker, commenter, partager les vidéos. Je ne vous en veux pas si vous avez du mal avec l'informatique, mais n'hésitez pas, si la chaîne vous plaît, de vous abonner à la chaîne, de liker, commenter et partager les vidéos. Je vous remercie tous et toutes. Et bien maintenant, nous arrivons au terme de la vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager pour me soutenir, de vous abonner à la chaîne sans oublier la cloche pour être notifié de mes prochaines sorties vidéo. Pour ma part, je vous dis à très bientôt
dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Portez-vous bien. Au revoir. Alors pour ce premier gagnant qui a gagné le premier cadeau des abonnés pour ce mois de décembre, c'est Brasier Solipède. Alors je vais vous mettre bien sûr la vidéo qu'il m'a faite dès qu'il a reçu le cadeau. Et vous allez constater par vous-même que je ne me suis pas foutu de lui. Allez, bonne chance à tous pour les prochains tirages au sort. Et bonjour à tous les amis, c'est Brasier, votre gamer favori. Donc on se retrouve donc pour un petit unboxing, car je vais gagner une souris gaming, la TMKB M1SE, donc comme vous voyez là, l'emballage que j'ai reçu, la souris donc, que j'ai gagné en giveaway, donc en partenariat avec la chaîne de Tech Hardware, hein, que vous voyez à l'écran, voilà, grâce à Tech Hardware, donc j'ai gagné la petite souris gaming, donc voilà, je l'ai reçue, donc on va procéder immédiatement à son unboxing, et on fera un petit test sur le PC, là, pour voir comment ça fonctionne, donc voilà. Alors je déballe la souris. Hein. Hop. Le packaging est quand même assez sympa. Bon, d'ailleurs, vous voyez les caractéristiques de la souris, évidemment. Hein. Vous voyez les boutons à quoi servent, tous les boutons qu'il y a dessus, donc parce qu'il y en a un paquet. En plus, elle est RGB, donc vous allez voir dessus. Une fois qu'on l'a branché, donc le packaging est assez simple et ça. C'est quand même assez joli. Donc, on va sortir la souris. Donc, vous voyez, elle est là. Hein. Je vais le préciser, donc voilà, mais on va la tester de suite. En la branchant sur le PC qui est juste à côté de moi. Ça, on va voir les RGB s'allumer normalement. Voilà, vous la voyez allumée. Donc voilà, elle est reconnue automatiquement donc, par l'ordinateur. Voilà. Et voilà, que dire de plus. Donc voilà, sur ce, ben, moi, pour moi, ma partie est finie. Donc et je vous donne rendez-vous. Enfin, ma vidéo sera postée sur ma chaîne évidemment. Et vous aurez aussi sur Tech Hardware, donc vous irez voir la vidéo, la sienne, donc à propos de cette souris. Donc il y aura un peu plus, je pense, et là vous aurez les termes techniques tout simplement. Et moi sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée, portez-vous bien, et à bientôt, bye bye, ciao!